qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable, qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable de tout donner pour aimer. Ma vocation, je pense que toutes les vocations, elles passent par plusieurs appels. À part, disons, on voit dans la Bible que Saint Paul a été renversé de son cheval pour répondre à l'appel de Jésus. Pour moi, je n'ai pas été renversé de ma bicyclette quand je me rendais au Collège Saint-Esprit tous les jours pour mes études. C'est venu petit à petit un appel à travers l'Écriture sainte, lecture d'un texte où Jésus appelait un jeune homme à le suivre. Et ce jeune homme refuse de suivre Jésus et il s'en alla tout triste. Alors ça m'a toujours beaucoup frappé. Si je refusais l'appel de Jésus, je risquais de ne pas vivre dans le bonheur mais dans la tristesse. Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner, quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer. Ben, il y a plusieurs sentiments, hein. Il y a d'abord la joie. La joie d'avoir pu répondre à l'appel du Seigneur. C'était pas facile de tout quitter pour suivre Jésus-Christ, c'est pas facile. Et c'est une joie de pouvoir penser que grâce à l'intervention de Jésus, grâce à au sacrement du sacerdoce, j'ai pu rester fidèle pendant 50 ans dans les difficultés, dans les épreuves, parce que la vie de prêtre n'est pas toujours facile. Alors je pense que c'est la joie, le sentiment le plus profond. Quand on n'a que sa voix pour crier, pour chanter, quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner. Donc chez nous on l'appelle Tonton Philippe, donc il est un personnage bien important dans notre vie. On adore passer des moments avec lui, donc ce qui me revient beaucoup en tête, c'est les moments qu'on partage avec lui à la mer, à la plage. Donc il arrive toujours en faisant plein de tapage, plein de bruit, et puis sous sa barangue, il nous appelle chacun par notre nom pour qu'on sache qu'il est arrivé. Et puis il arrive sur la plage avec son short très moderne et ses lunettes de natation. Et là, on sait que c'est un moment de partage exceptionnel qui nous attend. Dans une bonne humeur, la joie, le sourire, malgré peut-être toutes les difficultés. Et on sent vraiment qu'on est aimé, on sent vraiment qu'on est important, qu'on compte pour lui. Et donc il est extraordinaire. Il chante, je crois, 3 ou 4 fois par jour, tu es au cœur de nos vies. Et je crois qu'il est extraordinaire dans le sens où il est vraiment au cœur de nos vies et il arrive vraiment à nous faire comprendre à quel point Dieu, Jésus, est au cœur de nos vies, mais une vie moderne, une vie à 100 à l'heure. Et il a vraiment fait le point entre les deux. Donc oui, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de jovial, qui marche avec son bâton de pèlerin 2 fois par jour et qui prend les choses à cœur, mais qui aime la vie et qui nous fait réaliser que la vie est magnifique. Donc voilà. Il est formidable d'aimer, il est formidable, il est formidable d'aimer, il est formidable de tout donner pour aimer.